Est-ce que c'est vraiment dans le sens là où on va faire quelque chose ensemble, tu vois un peu? C'est là où souvent... Et à l'époque, là, j'étais vraiment seul avec le boss à la maison. C'est-à-dire, quand la vieille part, j'étais là, je me suis dit, bon, ce qu'on va faire, c'est que, apparemment, le boss, il est seul à la maison. Et à l'époque, là, moi, je voulais... Il y avait une petite que j'attendais à la maison le soir, là. Parce qu'on devait sortir avec mon type, Glenn. On devait sortir. Et du coup, j'ai dit, bon, ce qu'on va faire, c'est qu'apparemment, j'attends d'abord que la gola vienne. Si elle vient pas, ah, moi, je suis avec mon père ici à la maison. On va passer du temps ensemble, quoi. Donc, mais après ça, il n'y avait pas vraiment de goût que je voulais. Je disais que je veux vraiment... Il n'y avait pas, genre, une relation sérieuse, quoi. Non, en fait, lui, non, il n'y avait pas. Je voulais bien, tu vois. Mais il n'y avait pas, il n'y avait pas. C'est-à-dire que... Tu penses que parce que toi, tu peux assurer... Non, honnêtement, hein, pour être honnête avec toi, j'étais sérieux, mais les petites n'étaient pas sérieuses. Regarde, quand tu racontais que les gens n'étaient pas sérieux, non, non, moi je mais je ne sais pas. Regarde, je te prends un exemple simple. La dernière petite que j'avais dit que non, celle-là, je veux peut-être qu'on se marie, tu vois, non? Celle-là. Un jour, elle est simplement venue me dire un jour comme ça là que moi je ne veux plus. Et à l'époque là, moi j'étais des gens que non, mais comment ça tu me dis que tu ne veux plus? Moi j'ai misé tout sur toi. Dans le sens là, quand je parle de j'ai misé tout sur toi, dans le sens là où je n'avais plus d'autre go dehors. Parce que je parlais du principe que c'est toi vraiment avec toi que j'ai envie de faire quelque chose. Mais quand elle m'a dit en fait que non, moi je ne veux plus. Nous, on te dit que je partais à l'école de la gola. Je m'en vais l'attendre à la sortie des cours. Elle est... Oh, toi, tu blagues ou quoi? C'est-à-dire, la petite me dit bien que non, man, moi, je ne veux plus. Mais avec mon pote Glenn, on a souffert. Glenn, mon ami du quartier, il me dit, tu vois, on fait comment là? J'ai dit, non, man, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller l'attendre à la plein des cours, man. Maintenant, quand elle l'attend à la fin des cours, quand elle, on, je l'attends à la sortie des cours, quand elle sort, hein, la go me dit, mais tu es venu faire quoi ici? Je t'ai dit que je ne veux plus. Mais est-ce que le Gabonais comprend? Le Gabonais dit, non, tu, ça ne va pas finir comme ça. Et à l'époque, là, il y avait un son là que j'ai... Oh, c'est quoi le truc mouillé là? Le son est mouillé ici. Et à l'époque, là, c'était à l'époque là où j'avais... on appelle ça comment? Il y avait un son qui passait là. Il y avait un son zouk là que j'aimais. On te dit que la petite dédie comment mon frère, tout ce que tu es venu faire là, tout ce que tu es en train de vouloir venir négocier ici. Hein. Elle avait... Mais oui, elle avait trouvé un gars dans sa classe. Elle avait trouvé un gars dans sa classe. Et j'étais en colère. Non, non seulement, c'est pas que j'étais en colère, mais j'étais, on va dire, j'étais déçu. J'étais déçu parce que c'est quelqu'un que je comptais beaucoup. Je comptais beaucoup. Et à l'époque, là, elle était en seconde, moi j'étais en terminale. Donc je faisais les calculs, quoi. Genre ça, c'était ta petite soeur. Oh, mais tu, c'est le genre de petit que tu dis que non, ça, tu vas encadrer ça. Non, ça, c'était le viol. Oh c'est là là. Non, ça, c'était le genre, tu dis que non, celle-là. Oh, il y a un petit qui est tombé ici. Ah, c'était le genre, tu disais que non, celle-là, tu vas encadrer ça. Mais... Non, ça, c'est le viol. Après, à un moment donné, la petite me dit que non, mais écoute. Non, non, parce que moi, j'étais en terminale, j'étais en terminale, j'avais quel âge? J'avais... Et toi, tu ressembles à un gars qui n'est pas sérieux. Regarde. Ta tronche, je t'assure. C'est pas toi, à chaque fois, il te fait souvent le bruit. Non, non, les apparences sont trompeuses. Il te titille, parce que quand il regarde ta tronche, il dit que merde. L'apparence est trompeuse. Les gars, si je dois le titiller, je dois lui mettre souvent le feu derrière. Non, les apparences sont trompeuses, parce que... Toi, c'est... Donc c'est un peu ça, c'est-à-dire après elle m'a dit que c'était plus bon, elle ne voulait plus. Et c'est là où tu réalises, non non, je pourrais pas laisser comme ça. En fait c'est là où je réalise maintenant que les... En fait tu sais quand tu t'apprêtes à perdre quelqu'un, tu vois non, les choses que la personne te disait toujours que non, voilà ce que je veux que tu fasses, voilà voilà. En fait c'est pendant ces périodes-là que je voulais me dire, mes amis, il faut que je fasse certaines choses. Par exemple, quand elle me disait, viens à mon église. Tu vois un peu, non? Les derniers moments-là, quand j'essayais de sauver la relation, là, j'allais maintenant à son église. Mais là, tu ne veux plus à l'église.
C'est-à-dire, c'est comme on dit, c'est ce qu'on appelle un rétropédalage. Là où tu essaies de dire que tu veux rattraper certaines choses. En fait, tu essaies de te rappeler des choses qu'elle te disait que non, moi je veux que tu fasses ça, mais après là, elle ne venait plus. Maintenant, après, ça m'a quand même pris un temps, je dois avouer, ça m'a pris un temps. Ça m'a pris un temps pour passer à autre chose. Parce que vraiment, comme je me disais, et de sur quoi le truc, là où je disais que je voulais vraiment aller loin avec elle, c'est parce que j'étais son premier. Et moi, j'étais déjà en train de me projeter avec elle, en fait. Mais bon, après, il y a beaucoup de choses que j'ai. Le gars de sa classe, là, est fort. Il t'a tapé. Oh, ben écoute, non, je pense que. tu sais, il y a la proximité. Je pense que c'était pas. En fait, en vérité, c'est maintenant que. Effectivement, c'est bien que tu rappelles ça parce qu'en fait, en vérité, ce que ça veut dire. Non, ce que ça veut dire, c'est que le gars. En fait, moi, j'étais juste au courant de ça maintenant quand c'était déjà fini. C'est sûr qu'il avait commencé un travail avec elle depuis, en fait. Non, on avait d'abord une relation avant d'abord. Quand je dis qu'il a fait un travail avec elle au départ, c'est dans le sens là où il a bien aménagé la petite d'abord pour que la petite maintenant me dise que là, après c'est bon. Oui, après, oh, j'étais têtu, je t'assure que j'étais têtu à l'époque là. C'est-à-dire à l'époque là, je réalise qu'en fait c'était l'époque là où. Même après le fait que la go m'a dit que c'était plus bon, tu vois, non? Et qu'elle m'avait déjà bien dit que non, c'est plus bon. Mais j'étais toujours le genre que, non, tu peux pas dire ça. Avec tout ce qu'on a en train de vouloir battre, là, comment tu... En fait, j'étais... Et tu as emmené ton pote. Mais tu es obligé. Mais, mon type, là, lui, il était obligé de me subir. Parce que, attends, lui aussi m'apprécie. Donc, du coup, il parle du principe que, ah, moi, je soutiens moins d'éléments. Hein. Mais lui, il sentait que non. Il a dit quoi dedans? Mais c'est ça. C'est pas sa relation. Mais à un moment, il est quand même allé négocier avec la go, disant que non, mais tu veux pas faire ça au frangin. Le frangin, il t'apprécie. Il est amoureux. Non, toi, tu peux pas faire ça à ton frangin. Le gars disait non, là, elle a dit. Elle ne veut plus. Après, tu as laissé maintenant. Ouais, en fait, quand j'ai laissé. Parce qu'on était dans le même quartier. On était dans le même quartier. Et en vérité, c'est que quand je laisse. Parce que la vie, la connaissait aussi à l'époque là aussi. Le truc, c'est que quand je laisse. Mais ce qui est bien avec ça, c'est que tu te rends compte que la vie, l'avait croisé un jour en ville. La vie, la croisé. Parce que moi, je ne la voyais plus. Oh, c'était chaud à l'époque là. La vieille la croise en ville, la vieille lui dit, ben écoute, maman, toi tu dis vraiment que tu ne veux plus rien, mon fils. Hein. La vieille a dit, bon, tu sais, moi je veux pas, enfin, moi je veux pas te... Ce sera brutal pour moi de te dire certaines choses qui ne sont pas intéressantes, tu vois. Parce que toi, monsieur, tu n'as plus ta mère. Mais moi, je veux simplement te dire que, tu sais, moi je suis une femme. Et... ce que moi je peux te souhaiter, c'est ce que je peux te souhaiter, c'est que si tu estimes quand même mon fils, tu vois, non, c'est plus bon. Moi je te souhaite bon vent, tu vois, non. Moi je suis pas le genre de maman qui va te dire les paroles bizarres, machin, non, moi je suis pas comme ça. Mais sois-en sûr d'une chose, c'est que mon fils, il a eu du mal à passer à autre chose, quoi, parce que. Et puis c'était le genre de go, hein. Tu vois, quand tu fréquentes quelqu'un. Tu es tellement... Parce qu'à l'époque, là, c'était la période du bac aussi. C'est-à-dire, je ne voulais pas trop me disperser. Voilà pourquoi, à un moment donné, ça a été difficile pour moi de passer à autre chose. Parce que c'était la période du bac. Et ce n'était pas le genre de relation là où du genre... j'essaie de dire que tu as un pied dedans, un pied dehors. Non. C'était le genre là où tu te dis que tu es vraiment focalisé sur la go, en fait. Et que les seuls moments là où tu essaies de passer du temps avec quelqu'un, c'est elle seulement que tu vois. Voilà pourquoi c'était dur de passer à autre chose. C'était chaud à l'époque là. Mais à l'époque là, c'était chaud. Tu as fait combien de temps avec la femme en question? Oh, on avait fait un an et demi. Un an et demi. Un an et demi, c'est beaucoup quand tu dis. Mais bien sûr, c'était. Oh. Tu as cru que c'est juste ces choses? Non, c'était un an et demi. Un an et demi.
Et un et deux, te laisse comme ça. Ah, même c'était la peur là que je me suis dit que... Ah, donc ça veut dire que tout ce qu'on a fait là, donc c'était quelqu'un qui m'a... un gars du quartier qui s'est venu, mm-hmm. qui a bouleversé nos choses comme ça là, tous nos projets comme ça là, ça c'est fort. C'est là où, en fait, c'est là où tu commences à te mettre en question que... Donc, en principe, tout ce qu'on baptisait là, parce que c'est juste moi qui étais sérieux, en fait. Mm-hmm. Là, tu commences à te dire ça. Ah, peut-être tu as fait quelque chose qu'elle n'a pas aimé. Comment tu peux faire un avec un gars et un nouveau gars te drague comme ça et tu pars avec lui? Bon, moi, je ne sais pas. Parce que, en fait, tu sais, j'avais tellement voulu que ça marche entre nous, mm-hmm. que du coup, j'étais même ami avec sa soeur, avec sa cousine. Parce que moi, ce que je pensais, c'est que je me disais, le jour là où on devait avoir un problème, sa cousine devait être, comme on dit, la médiatrice. Tu vois, c'est pas... Parce que tu avais raconté une autre histoire où tu avais dit, mm-hmm. tu avais parlé d'une autre fille là, mais qui était malade, quoi, après. Oui, c'est elle. Mais c'était pas à cause de ça que vous êtes séparés. Non, ça c'est en fait, ce qui s'est passé après maintenant, c'était bien avant, c'était après. Hein? C'était après, en fait, ce qui s'était passé avec sa soeur, c'était après. Ah, c'était sa soeur, après tu as pris l'autre. Oui, c'était sa soeur après. Ah, okay. Mais pendant la période là où... Moi, je pense qu'il y a déjà un problème. Non, parce que la période là où... ça se passe avec sa soeur, là, tu vois, mm-hmm. c'était la période là où sa soeur était vraiment, comme on dit, je vais dire ça comment... Sa soeur était même celle-là qui gérait souvent les malentendus entre nous, en fait. Non, moi... Parce que toi, elle t'a dit que toi, tu es un bandit. Regarde ce qu'elle dit. parce que tu trouves que c'est normal. Pour moi, je trouve que c'est pas normal. Yeah. Que tu es d'abord sorti avec la soeur. Après, tu as pris l'autre mais, soeur. Mais attention. Le truc, c'est que je ne suis pas sorti avec sa soeur. Hein. Je ne suis pas sorti avec sa cousine. Je suis pas sorti. Parce que quand elle a dit qu'elle avait ce qu'elle avait là, mm-hmm. on n'est pas sorti ensemble. On mais est resté sur le point de sortir ensemble. Oui, pour être honnête, oui, on devait le faire. Mais quand elle a dit ce qu'elle moi, avait là. Je pense qu'après, peut-être celle qui est partie là, mm-hmm. ça m'a sonné dans sa tête. C'est à cause de ça, ça n'a plus marché. Qu'en disant qu'il était proche de ma soeur, après, elle s'est tournée sur moi. Et est-ce qu'un jour je peux rester quand je dis que j'épouse un homme qui était prêt? Avant moi, c'est ma soeur qui voulait. Non. En fait, il faut bien comprendre les l'histoire. Tout le monde ne se sent pas bien dans ma tête. Oh. Non, il faut bien comprendre l'histoire. Ce qui s'est passé, c'est que... Celle que je t'ai dit que ça s'est mal passé là, tu vois. Mm-hmm. Je l'ai connue bien avant sa soeur. C'était mm-hmm. avant que je l'ai connue. Mm-hmm. Maintenant, c'est comme on dit quand tu es en couple avec quelqu'un, elle te présente maintenant aux membres de sa famille. Mm-hmm. Tu vois un peu mm-hmm. Et l'une des membres de sa famille, c'est quelqu'un avec laquelle le courant passe bien, tu vois un peu, mm-hmm. plus que tous les autres. Mm-hmm. Ce qui fait que du coup, elle se présente maintenant comme étant cette personne-là qui décide que au cas où il y a un problème, moi je vais souvent vous aider à régler vos problèmes de couple, dans le sens là où par exemple, donner les conseils, tu vois un peu. Mm-hmm. Maintenant, maintenant, ce qui va se passer encore, c'est que quand on est amis, mm-hmm. à un moment donné, ce qui va se passer, c'est que tout se passe bien dans la relation. Maintenant, c'est quand sa soeur me dit qu'elle ne veut plus de moi, tu vois un peu, mm-hmm. que, en principe, moi, je ne suis plus en contact avec sa soeur. Moi, j'espère maintenant que... Elle aussi, elle ne sera plus en contact avec moi, tu vois un peu. Mm-hmm. Mais, étrangement parlant, elle continue toujours à me fréquenter. Mm-hmm. En disant que, bon, écoute, même si ça n'a pas marché avec ma soeur, mm-hmm. moi, on est amis, tu vois un peu. Mm-hmm. Mais ce qui se passe, c'est que derrière cette amitié-là, il y a quelque chose qui se crée. Mm-hmm. Et ce qui se crée maintenant implique le fait qu'elle commence à me fréquenter dans l'intimité. C'est-à-dire, mm-hmm. elle vient beaucoup plus à la maison, elle m'appelle beaucoup, elle prend beaucoup de mes nouvelles. Mm-hmm. Et du coup, encore une fois, le jour là où on devait faire ce qu'on devait faire, et mm-hmm. ce qui n'est pas arrivé, mm-hmm. c'est dans le sens là où j'étais à l'école, elle m'avait appelé, elle m'avait dit, écoute, elle m'avait mm-hmm. dit, écoute, là tu es où, là j'ai envie de te parler, je ne suis pas loin de chez toi. Mm-hmm. Voilà comment à un moment donné, elle me dit, je ne suis pas loin de chez toi, je vais m'arrêter chez toi et tout, il faut que je te parle.
Moi, j'étais en train de boire mon verre avec mes éléments. Quand tu, au pays, c'est que quand une go te dit qu'elle va passer chez toi, mm-hmm. toi, tu penses au fait que bon, il y a quelque chose qui va se passer. Mm-hmm. Mais à l'époque, là, quand elle vient à la maison, là, j'étais bourré, lui. Là, je dois l'avouer, là, j'étais bourré. Quand elle vient à la maison... Donc, tu te souviens, tu reconnais la route de la maison? Non, j'avais pris la course. Parce que mm-hmm. tu, là, tu vas faire encore le truc de... Quoi? Tu vas faire quel bus, tu le bus va passer ton Non, dis-moi, il va te dépasser, oui. Donc, ce qui se passe, c'est que à un moment donné, c'est-à-dire, j'arrive à la maison en course, ça me dépose au carrefour, je descends. Mais quand je descends, en fait, je la trouve déjà à la maison. Et quand elle est à la maison... Quand elle est à la maison, quoi? C'est maman qui le reçoit? Non, en fait, à l'époque, là, la vieille, quand elle était à la maison à l'époque, là, c'était pas le genre de maman. Ça aussi, je dois avouer. Tu sais, on va dire ce qu'on va dire. Hein. En fait, souvent, nous les jeunes, on ne reconnaît pas souvent ça. Hein. Mais moi, je dois avouer que, man. Ta mère, je... c'est... Non, en fait, c'est pas... La vieille, c'est... J'ai envie de dire que la vieille, elle a été... Elle a été quelque part mon meilleur ami à un moment donné. C'est parce que peut-être tu es son seul enfant. Oui, ça il faut le dire. Parce que la vérité, c'est que la flexibilité avec laquelle la vieille, on a développé nos relationships, c'est vraiment une relationship de confiance, tu vois un peu. Mm-hmm. C'est-à-dire, on est prêt à se dire... Voilà pourquoi on dit souvent que les gens disent, il a un enfant, mais il ne sait même pas... Son enfant ne peut même pas le parler, tu vois un peu, non, peut même pas lui parler. Mm-hmm. Mais moi, le boss et la vieille m'ont élevé dans un contexte là où, en fait, j'étais prêt à tout leur dire, tu vois un peu. Ce qui faisait que même les femmes que je fréquentais à l'époque là, elles savaient que si quelque chose m'arrive, c'est toi, faut pas venir, voilà. Donc, à un moment donné, elle m'attendait maintenant parce que la vie, elle avait laissé l'accès à ma chambre. Elle m'attendait maintenant. Et c'est là où, quand elle vient dans la chambre, elle me dit... Bon, moi à l'époque là, j'arrive dans la chambre, moi je suis tellement content que une petite, je me trouvais à la chambre, enfin matin à la chambre, donc moi je viens, quand je viens comme ça, à un moment donné je dis, bon, la petite est déjà là, moi je vais me mettre à l'aise. Elle me dit, je dois te parler. Et là, à l'époque là, on était encore amis, hein. On était vraiment encore amis, mais c'était le genre d'amitié close. Elle me dit, non, je dois te parler. J'ai dit, bon, maman, écoute d'abord. On va parler de ça après. Donc d'abord, c'est paye d'abord les taxes. À un moment donné, c'est là où elle dit, ah non, c'est pas bon. Puis après, c'est là où elle m'avoue ce qu'elle m'avoue. Bon, ce qu'elle avoue, c'est qu'après, elle me dit qu'elle est séropositive. Et quand elle dit qu'elle est séropositive, malheureusement... Enfin, on va pas dire... Non, je pense qu'honnêtement, c'était heureusement pour moi. Parce que c'est là où on dit souvent qu'il faut avoir, il faut être quelqu'un de bien dans la vie. Parce que je pense que si j'étais le genre de gars bandit, elle avait toutes les raisons de me donner ça. Elle avait toutes les raisons. Déjà, le fait que tu t'es sorti avec ta soeur, ça n'est pas marché. Ok, la suite, c'est la prochaine fois.